Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça va bien? Bon ben me revoilà. Alors finalement, la deuxième vidéo ne seront pas les produits terminés parce que j'ai un tout petit peu de temps ce matin et que cet après-midi, je sors avec mon fils. Enfin je sors, on a deux trois bricoles à faire. C'est surtout pour passer du temps avec lui parce qu'à nouveau je le trouve pas bien là. Alors l'inquiétude est revenue. Alors je passe un petit moment avec lui. Bah oui. Faut bien s'en occuper, ces petits, même à 27 ans. Alors, quand on dit que t'en prends pour l'éternité, enfin non, pas pour l'éternité, pour jusqu'au bout de ta vie, je confirme. Bref, donc on va faire un petit maquillage simple, ordinaire. Je me regarde là parce que là il y a mon miroir. D'ailleurs, vous le voyez très un petit peu, mais j'ai pas d'espace. Alors on fait avec ce qu'on a tiré, sinon j'arrive à revenir des courses et j'aurai toujours pas fini. Et je vais me faire engueuler. Non, pas engueuler. Mais non, c'est bon. Et je vais me faire rappeler alors. Je vais même dire, mais t'as pas encore fini, mais qu'est-ce que tu fabriques? Ben, je fabrique, je fabrique, je fabrique. Attends. En plus, je me suis sur le lit. Et comme j'ai mis des coussins tout le monde derrière, je glisse. Alors, bonjour l'enfer. C'est vraiment pas. Je suis vraiment pas à l'aise. Et alors, filmer dans le salon, ça m'oblige à tout démonter, tout. Ça me saoule. Ah, ça y est, t'es revenu, ça me saoule. Alors, je vais mettre comme fond de teint, un nouveau fond de teint que j'ai acheté. Oui, j'ai acheté un fond de teint. Je ne sais pas pourquoi, j'en avais dit encore, mais bon. J'ai eu envie. C'est le LC Mix de chez Bourjois, mais c'est la BB crème anti-fatigue. Ça coûte pas cher. Enfin, ça coûte pas cher. Tout coûte cher. Ça coûte. Je crois que ça m'a coûté 8 euros, me semble-t-il. Je l'ai pris en night clair. En light clair. J'aime bien. Mais bon, moi j'en mets très peu. Donc je vais en mettre un peu sur ma main. Voilà. Comme ceci, voyez-vous. Vous voyez d'ailleurs. Attendez, je glisse. Il faut que je calme mon pied pour retenir mon potin. Mon popotin qui glisse. Bon, je refermerai peut-être tout après. En fait, ça me fera gagner du temps. Alors. On va le dire. Oui, il coule. Il est liquide. Voilà, on est un peu partout. Je dis pas trop, mais finalement, une goutte, regardez. Vous êtes là. Parce que j'ai un pull avec la manche qui s'en va, comme tout le temps chez moi. Mais surtout, il est très très grand, parce que j'adore les pulls loose comme ça. Mais c'est vraiment. Je suis obligé de mettre un débardeur en dessous, parce que vu le décolleté de malade. D'ailleurs, c'est un haut de pyjama, figurez-vous. Vous avez vu la bretelle? Très jolie, hein? Très jolie, noire, avec la dentelle. Ouais, c'est bien, on s'en fout. J'ai perdu mon pinceau, c'est parti. On y va, on étale tout ça bien. Alors, moi, j'aime bien faire au pinceau, je trouve que c'est plus diffus. J'ai pas besoin de couvrance, moi. J'ai besoin de rectifier la couleur, uniformiser ma peau, voilà, mon teint. Moi, j'en mets partout, hein? Ouais. Enfin, quand je mets du fond de teint ou de la BB crème, j'en mets partout. Si je mets juste, ça m'arrive de mettre juste de l'anti-cerne, je mets juste cela. Voilà. Attendez. Par contre, je lui reproche d'être un peu trop gras, je trouve. Bon, je fais mon cou, bien évidemment, hein, même un peu plus bas. Ah, bah, mes bijoux, ils seront tout maquillés. Voilà, c'est cool comme ça. Un peu là. Là. Je le trouve un peu brillant. Peut-être que vous ne voyez pas, vous. Ben, alors donc, je vais le poudrer. Oui, l'hiver, je me permets de poudrer. L'hiver, je me permets de mettre plus de couches. Voilà. Puis surtout, ça me permet d'utiliser les belles choses que m'ont envoyé mes amis. Donc là, je vais faire pète ta classe. Nettoyer pour faire bien. Oh, je vais utiliser ma poudre libre de chez Chanel. Merci Kenzonette. Donc c'est la poudre universelle libre dorée translucente 3. Alors, comme je suis excessivement dégourdie, je vais faire attention. Alors moi ce que je fais, je décapote, je laisse la poudre, la petite houppette, je secoue comme ça pour qu'il y en ait sur la houppette, et après je prends ma houppette et je tapote comme ça. Pourquoi? Parce qu'après, je vais arranger les choses avec un pinceau à poudre
pour diffuser. Allez, je fais surtout sur mes joues, là où c'est. Voilà. Bon. Et même comme ça, je ne sais pas si vous la voyez, moi je ne la vois pas, mais comme je suis mirote. Donc oui, poudre libre, Chanel, ça, ça pète sa mère. Je parle mal, ouais. Donc je prends un gros pinceau de je ne sais pas qui, Real Techniques, à poudre, sur des gilets là, mon pinceau. Mais bon, comme je ne me maquille pas souvent, les microbes, ils ont le temps de proliférer. Non, je rigole. Je crois qu'il va falloir que je les change, mes pinceaux, parce qu'ils commencent à perdre leur poil. Mais tant qu'ils ne sont pas vraiment morts, tant que c'est vraiment pas vraiment trop pénible, je me frotte le visage, est tout rouge. Voilà. Au fait, depuis 2 jours à Lyon, il fait un temps sublime. Oh, on se croirait au printemps. Au niveau du temps, pas autre chose, au niveau du temps. Là, maintenant, on va attaquer, on va finir le teint. Alors, je vais utiliser, oui, parce que moi je dis, je le vois bien, la palette Sun Designer Palette Savannah Love, qui est en fait une palette et de highlighter et de fard à paupières. Youtubeuse en carton. Oui, by Terry, monsieur, madame. Oui, comme je te le dis. Comme je te le dis, mon gars. Voilà. Très jolie couleur. Tout plein de couleurs. Alors, pour mes joues, je vais utiliser le rose. Tout, en fait. Je vais faire tout en même temps. C'est-à-dire, je vais faire highlighter, bronzer, et highlighter, bronzer et blush en même temps. Donc je balaye ma palette. Par contre, elle est pour du By Terry, elle est terriblement poudreuse, hein. Et bien. Ouais, mais je fais n'importe quoi. Me revoilà déguisée en clown. N'inquiétez pas, on va faire quelque chose. Voilà, avec un bord de pinceau, comme ça, je vais faire un peu mon nez. Moi, je vous fais la totale aujourd'hui. C'est pour que ça dure un peu la vidéo. Peut-être que vous n'avez pas envie que ça dure en même temps. Alors, vous n'inquiétez pas pour la surcharge non négligeable. On va prendre le pinceau à poudre. On va laisser tomber. C'est en train de partir de mes oreilles, là. Ça m'a arraché la goutte d'oreille, mon truc, hein, ça me fait mal. Elle est où, la goutte d'oreille? Oui, d'accord. Celle-là, elle est où? Oui, d'accord. J'ai galéré à la mettre. Tu paries que tu peux l'enlever en la tirant. Voilà, hein. C'est déjà moins pire. Dans la vitre, normal, ça va. La vitre. Dans le miroir, normal, ça va. Voilà. Bon. Ensuite, on reprend cette petite palette de By Terry et on va prendre ce rose pâle. Comme ceci. Pour mettre sur toute la paupière. D'habitude, je ne fais pas ça. Là, je fais style avec un pinceau à son bain. Voilà. Voilà. Et je mets sur toute ma paupière. Voilà. Et évidemment, je fais pareil de l'autre côté. Hein. Je ne vais pas couper pour le temps. Il va bien. Il faut j'appelle mon fils. Pour savoir s'il est toujours partant. Mais je vais le réveiller. Donc, si je le réveille, ça va être la catastrophe. Il sera de mauvaise humeur. Ça va gâcher notre après-midi. Voilà. Et là, je vais mettre du gris. Alors, le gris, je ne l'ai pas dans cette palette By Terry. Je vais prendre une excessive vieille palette. Ça veut dire ce que j'ai dit. Une très très vieille palette de chez Nocibé qui s'appelle la Basic Palette. Alors, qui était uniquement du rose et du gris. Avec un petit miroir. Tout sale, bien entendu. Voilà. Alors il y a un rose plus franc. C'est un rose qui va bien en.
Voilà, c'est fait. Qui va bien en blush. Et là, je vais travailler mon creux de paupière, enfin vaguement. Alors, cette vidéo est dédiée à celles qui aiment bien le maquillage. Alors, je pense immédiatement à Christine. Et je crois que Marise aime bien aussi. Je suis pas certaine. Bon, Lulu, je sais qu'elle, maintenant, elle connaît des... Elle a des références bien élevées, bien plus élevées que ce que je peux montrer. Ouais, il y en a qui ont la chance. Voilà, bon, c'est pas très, hein. Alors, on va prendre du gris mat plus foncé. Celui-là, c'était un gris pailleté. Non. Bon, celle-là est tellement vieille qu'elle est très... Puis remettre dans le coin externe, tapoter, remonter dans le pli palpébral. J'aime montrer ma science. Oh, parle, Florent, c'est chiant, là. Les gens qui se maquillent sans causer, c'est pénible. Surtout, bon, s'ils font un tuto, c'est normal. Moi, je fais pas un tuto. Je fais un chit-chat make-up, les enfants. Je vais l'appeler comme ça, d'ailleurs. C'est comme ça que ça s'appelle dans les YouTube, sur la YouTube-osphère. Ouais, ouais, ils emploient des mots savants aujourd'hui. Mort de rire. Voilà, on va le rabattre un peu. Bon, puis on va reprendre l'autre côté, le gros côté, et puis on va flûter. Parce qu'il paraît qu'il faut flûter, hein. C'est la base du maquillage, foutage. Je fais les rimes. Sans le vouloir. Voilà. Voilà. Alors c'est bon là. Suffit, ça me saoule. Ça y est, ça me saoule. Ensuite, nous allons passer au crayon qui a disparu. Ça y est, c'est parti. Oh putain, le là. Alors, c'est un crayon que j'ai acheté chez Action. Eye Pencil Max & More. 3 pour 99 centimes ou 1 euro. Ils sont super formidables. Je le mets en racine en haut, comme un eyeliner, voyez-vous. Grossièrement, hein, parce que de toute façon, je ne sais pas faire autrement. Regardez-moi ça. Normalement, il faut que ce soit contre les cils. Pas qu'il y ait d'espace blanc. Moi, c'est raté, bien sûr. Et pareil en bas, mais que sur le coin externe. Voilà. C'est juste pour donner l'illusion de plus de cils. Aïe, moi je me le mets dans l'œil, bien entendu. Et donc pour en revenir au crayon, il tient bien. Moi les crayons en général ne tiennent pas. Bon, moi j'en mets pas dans la muqueuse parce que mes yeux coulent. Bon, ce côté est toujours très raté, voyez-vous. Oui, hein, il est raté, hein. Mais ne vous inquiétez pas, on va rectifier le truc. Ou quand bien même c'est pas rectifié, c'est pas grave. C'est pas mon fils qui va me faire des réflexions sur mon maquillage. Hein. Alors, ce qu'on va faire, les gars, on va reprendre le, si je retrouve, le pinceau, comme ça, là, le petit côté, comment dirais-je, le rond, quoi, crayon, l'embout crayon du pinceau, donc qui est rond, et puis on estompe le crayon noir. Pour ne pas faire de pâté. Voyez-vous? Bon, sinon, vous, ça va? Comme, hein? Christine, je pense à toi et à ton mari. J'espère qu'il se repose. Bon, à tous les autres, bien entendu, hein, dont je ne connais pas les malheurs. Va aider les ennuis. Tout le monde en a, de toute façon, je sais. Voilà. Voilà, bon, c'est plus accentué de ce côté que ce côté. Mais bon, en même temps, parce que dans le miroir, ça va. Parce que c'est pas exposé à la lumière du même. Pareil. Vous avez compris. Là, on va mettre du mascara. Alors, on va utiliser en première base. En première base. Qui joue en première base? Qui joue en première base? Qui? Ça, c'est une référence à un film. Vous devez savoir, c'est Forrest Gump. Non. Pas du tout, efface. Oh ben, bien sûr, je vais pas retrouver le nom maintenant. Vous savez où c'est l'histoire d'un autiste et de son frère. Donc j'utilise en première couche le Maybelline Pochap Angel, vous savez, celui-ci qui est très bizarre. Parce qu'il sépare très bien les cils, les dallons. Surtout les sépare bien. Alors j'aime bien.
Mais bon, c'est pas foufou, quoi. Mais je vais en mettre un deuxième par-dessus. Suivez-moi, il y a un poil où je veux, pas un poil de pinceau, hein, où je veux, qui m'agace. Oh, je trouve plus le film. Vous l'aurez forcément trouvé. Moi, j'aime bien, je regarde des vidéos, souvent les filles cherchent un mot. Et je le trouve, et je le dis, je me dis, enfin, c'est bête. Alors je me dis, les filles, elles doivent faire pareil quand je perds mes mots. Oh, Rain Man, là, j'ai trouvé. Ouais, dans Rain Man, Dustin Hoffman, il a toujours cette blague. Qui joue en première base? Ben, qui joue en première base? Parce qu'en fait, vous avez compris, si vous n'avez pas compris, c'est que vous n'avez pas vu le film. Et je ne peux pas vous l'expliquer. En deuxième couche, donc, on va mettre, il est super bien celui-là, le Maybelline Total Temptation. Je ne sais pas si vous voyez l'endroit où est l'envers. Là où est l'envers, là vous devez voir l'endroit. Ou l'inverse. Là, je vous fais mal à la tête. Bon, bref. Il est vraiment bien celui-ci. Je le connais grâce à Danisha, une youtubeuse canadienne. J'adore les youtubeuses canadiennes. Bon, elle, ce qu'elle fait, je la suis en fait pour elle, parce qu'elle fait des maquillages hyper colorés, que jamais j'oserais porter. Mais elle me fait rire, je la trouve super gentille. Quand elle fait des vidéos, attention, on saute du coq à l'âne avec moi. Donc voilà, il est comme ça, ce mascara, hein. C'est une brosse en poils, très ordinaire. Oui, donc quand elle, des fois elle joue, elle joue. Oui, elle joue. Elle tourne des vidéos avec son mari. Oh, mais c'est à mourir de rire. Mais tellement à rire que je me fais engueuler, moi, par chérie. Il me dit, ça va pas de rire comme ça, mais t'es folle ou quoi? Tellement je ris. Ah ouais, ils sont forts tous les deux. Il est marrant, son mari. Elle aussi. Mais alors, quand ils sont tous les deux, c'est le top du top. Et celui-ci donne du volume. T'avais vu? J'ai évolué en maquillage? Pas du tout. Surtout, je suis longue. Alors, mes sourcils, je fais rien, je n'ai pas envie. Je vais peut-être juste débrosser, parce que j'ai mis du fond de teint et de la poudre. Donc, technique de la vieille brosse à dents, hein, parce que j'ai ce qu'il faut, mais je ne sais jamais où ils sont, mes goupillons. Voilà, je débrosse là en haut. Hein. C'est comme ça, il paraît que ça se fait. Bon, pas trop, parce qu'après, ça fait des grands poils kermiques, c'est moche. Après, ça risque d'être un peu rouge. Et ça marche très très bien, ça, vous n'investissez dans rien. Enfin, je veux dire, un goupillon, c'est pas si cher. Et souvent, t'as le goupillon au bout du machin à sourcils, comme moi, je mets rien. Rien de tout, parce que je trouve qu'ils sont parfaits. Pas mal ce maquillage, j'aime bien. Bon, on va passer à la dernière étape, qui est donc le rouge à lèvres. Je vais mettre en crayon à lèvres, un crayon à lèvres, il y a marqué semi-permanent, mais je vois pas pourquoi, parce qu'il n'est pas semi-permanent, de chez. Je sais pas. J'avais acheté ça chez mon. Ouais, je crois qu'il est cassé. À mon avis, on peut arriver à faire chez mon pharmacien. Donc il est rose. Rose. Il faut que j'en achète un. J'en achète un chez du brochet ou au marché. J'y vais jamais. Alors, je fais mon contour des lèvres. Il est mal taillé, donc il roule un peu. Donc, je hachure un peu l'intérieur, mais là je vais essayer de grossir un peu les yeux. Mais en fait, il faut surtout que je l'épaississe un peu à gauche, puisque c'est le côté qui a été touché par l'AVC, donc qui a tendance à chuter encore plus. Voilà. Voilà, après. Je le range et par-dessus, je vais mettre un rouge à lèvres liquide longue tenue, un ultimate satiné de chez Nocibé que j'ai eu chez Nocibé. Bien. Bon, il est rose, et je ne sais pas, il n'y a pas la couleur, il n'y a rien du tout marqué. Alors, c'est un liquide longue tenue, alors il est un peu mat, oui il est mat, mais mat léger.
Longue tenue, non. Franchement, non. Voilà les amis, qu'est-ce que vous en pensez les petits amis? Je suis assez content de mes yeux. Ah, message. Ben donc nous avons terminé. Ah, voilà, quand même, enlever le bordel là. Pardon, je parle mal. Ça y est, je vois ma coiffeuse de mardi prochain. Donc, on va faire un carré déstructuré, normalement. Et ça y est, boule derrière. Et puis bien ici, bien clac, comme là, il y a de la place, il y a du cheveu. Puis. La fois prochaine, on fera des mèches, puis on fera peut-être les racines. Mais bon, c'est pas très grave. Quand je les. De toute façon, je porte mon chapeau tout le temps quand je suis dehors. Alors donc, les gens ne voient pas mes racines. Et quand bien même ils les voient, c'est pas grave. Voilà. Bon, on va mettre les lunettes. Et tout de suite, ça va affadir mon regard. En plus, avec les lumières. Attendez, je vais quand même regarder si c'est pas Chéri qui m'a envoyé un message. Pour me demander quelque chose parce que si je lui réponds pas tout de suite et que c'était une question. Ah non, c'est quoi ça? Code promo le cabinet cristal. Qu'est-ce que c'est? Ça doit être un truc de dégager deux, un truc de. Oh là là, de voyance. Voilà. Bon, ben voilà, comme ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, mais sur ce, je vous embrasse, je vous aime. Prochaine vidéo, produit terminé. Je suis reparti là, je le sens. Merci pour tous vos gentils commentaires sur la vidéo d'avant. C'est super sympa. Vraiment. Merci, merci, merci. Mes doudous et mes doudounes. Mais non! Mes doudous. Je vous embrasse, je vous aime. Salut!